tout le monde, merci parce qu'il nous choisit Caraïbes FM pour informer. Quelques principales informations après la guerre pour nous développer matin dans un journal ça après plusieurs attaques à bandits fait sous commissariat Thomas Zoan et finalement metté du feu là-dedans la hier mercredi. C'est responsable syndicat national police haïtien Lionel Lazare qui confirmait information d'après numéro 1 Sinapoa, policier qui était dans le commissariat a gain chance à chaper pour lio pour éviter aux victimes en bas main bandio. Dernière action ça c'est deuxième commissariat bandio attaqué dans seulement 4 jours. Face à la situation, ça y est, agent Lodlan qui avoue la police là paraît impuissant. Dit la peur était une force multinationale qui a gagné pour venir aider PNH combattre bandio. Présidente au Conseil Transition, hein, Madame Mirland Hippolyte Maniga, dit li pa gen mo pour qualifier situation difficile pays à Apkoné, précisément augmentation quantité gang exam yo kap terrorisé population. Hein. Li pa normal pour citoyen paisible Apkoui quitter la caillou pour aller vivre dans mauvaise condition à travers une série espace qui pas fait pour ça. D'après professeur Mirland Maniga, plus loin, Mirland Maniga salie votre Conseil Sécurité Nations Unies hein, concernant déploiement yon force étrangère pour venir aider PNH la bataille contre gang Axamio. Mirland Maniga fait déclaration sa yo pendant un point de presse hier mercredi dans fin yon conseil ministre qui était déroulé dans palais national. Certains leaders communautaires divisés sur résolution conseil sécurité Nations Unies qui autorisait déploiement yon force multinationale sur territoire national. Si certains yo considéré ça comme yon pas important pour rétablir l'ordre et la sécurité alors que yon l'autre catégorie plus misé sur renforcement cap capacité PNH là avec la médaille comme plus bon stratégie pour garantir la paix et la stabilité dans le pays. On a bien pour nous suivre un reportage avec Jean-Georges Blaise. Dossier canal sous rivière massacre la collectif 4 décembre n'a tête collé avec plusieurs autres organisations mandé autorité haïtienne yo ak dominicaine yo tamen vite yon dialogue kap permettre des pays yo joine calme ak sérénité j'ai traité la paix ak zamitay 20 février 1929 la mandé ça ensemble organisation sa yo rappelé c'est une gros opportunité pour l'état haïtien entrepreneur patriote et la trier profiter joine l'autre alternatif pour importation ak exportation haïti a fait puis remplacer produit dominicain qui permet nous réduire dépendance vis-à-vis pays là. Un groupe cap appuyé rapatrié réfugié yogar exprimé préoccupation li après sept compatriotes haïtiens pour petit arrivé empoisonné en République dominicaine. Incident ça passé la nuit mardi pour l'ouvrir mercredi 4 octobre dans une localité qui est Elvaï qui trouve dans zone Alto Mayol côté victime yo prend soin pour qu'il à l'hôpital. Gare qui rappelle gros violations droit mon haïtien yon a pas subi l'autre bord frontière parmi yon cas déjà que sur un jeune haïtien dans l'aéroport Las Americas l'état dominicain pour mener une bonne enquête sur circonstances qui est la cause haïtien sa yon arrivé point prison. Plusieurs centaines habitants Kafoufei qui t'a pris refuge dans l'école nationale République Brésil a manifesté à Yamadia, avant Yamadia de préférence, contre autorité au ministère éducation nationale qui mandait d'après Saoudi pour quitter l'espace la 10 octobre qu'a pointé là dans l'idée pour l'école là qu'a reprendre dans l'école Sayo. Habitants Sayo qui était mauvais coukong mandé autorité l'état au prendre responsabilité yo, pour mettre sécurité dans le pays à traquer bandio dans l'idée pour qu'a retourner la caillo n'a bien pour nous suivre un reportage à Kakoula ou actrice non Adjani Oximable Saint-Fleur en le journal ça. Pour finir, Sinapoa a constaté, dit-il, constaté qu'il y a quelques vidéos avec photos blendées. La police qui t'a fait croire, il y a pas 20 services avec même population, avec victime de sécurité chaque jour. Ça a passé, pas bon pour image PNH, non, dans sens ça, Sinapoa a souhaité, inspection générale, l'ouvrir une enquête pressée pour faire lumière sur question ça. Et puis, matin, dans différents rubriques, nous avons rendez-vous dans le commencement journal là, avec Mme Chrisnette Saint-Georges.